Aujourd'hui, 22 février 2012, premier GovCamp. Donc, ça fait quelques mois qu'on prépare l'événement. On avait envie de rassembler dans une grande conversation, un format camp, là, une conférence, les intéressés à cette intersection-là du gouvernement et des technologies d'information et de communication. Donc, c'était le sujet de la journée. 60-70 participants et participantes. Plusieurs sujets, on en a ici là, toute une panoplie de sujets qu'on a traités. Ça allait de la transparence, des données ouvertes. On a eu une annonce de Québec Ouvert, qui est l'organisation qui regroupe plusieurs municipalités. Coup de chance, sérieusement, pas planifié, mais la Ville de Québec donnait aujourd'hui une conférence de presse pour annoncer son portail de données ouvertes. Donc, c'est dans l'air du temps, certainement. Et aussi, échange d'idées, perspectives, le rôle des médias sociaux. On a parlé du rôle des citoyens envers l'État. Donc, on parle beaucoup du rôle de l'État envers les citoyens, mais on s'est posé une question autour de la collaboration, de la co-création, de la participation des citoyens experts ou des individus qui sont intéressés à contribuer à la société, au gouvernement. La première partie a été enregistrée aussi, donc sera rediffusée à La Voix du Libre et sur Internet et à la radio. Je trouve que c'est comme un catalyseur, ce genre de journée-là. Ça crée un temps, ça donne un ton, ça permet à des gens de se voir comme agents de changement et de se dire qu'on fait ça aussi ensemble. Donc, on n'a pas de déclaration officielle, on n'est pas une organisation, on n'est pas une OSBL, on n'est pas une compagnie, mais on a une communauté d'esprit, certainement, autour de ces thématiques-là, et on est tous porteurs d'action. Donc, il y avait un petit peu cette mise en place-là de ce réseau informel par liste de discussion, par Twitter, pour ceux qui ont accès, on a parlé de ça aussi aujourd'hui, de communauté. Je dirais pas une communauté de pratique, mais une communauté d'esprit et avec une volonté d'ouvrir la conversation et le débat public autour de ces thématiques-là. Il y a plein d'intervenants qui auraient besoin d'entendre et de participer à ces débats, qui n'y sont pas. C'est certainement notre défi d'aller les rejoindre, d'aller entamer les discussions avec eux, que ce soit les gens des TI, les directeurs des différentes organisations. Et ce qu'on fait maintenant, c'est le début, donc c'est une séquence. C'était on l'appelait le GovCamp numéro 0 hein, pour se pratiquer. C'était plus qu'une pratique, c'était un bel événement. Mais on va revenir de façon récurrente avec d'autres GovCamp et j'invite les gens à nous suivre là, sur govcamp.org pour la suite.